Bonjour, je voulais savoir si j'avais allumé le micro, Frankie a mis son bras. Allez! Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de Hidden Agenda, le troisième épisode de la mort qui tue parce que nous sommes des morts et que nous tuons les morts. Da! J'espère que vous n'écoutiez pas cet épisode le soir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 d'Hidden Agenda. Je vous rappelle un petit peu les faits. Les faits vont nous apparaître dans quelques instants. Quels sont les faits? Quels sont les faits? Je ne sais pas! Ah! Mais! C'est... Felicity a décidé de ne pas parler des révélations de Finn au juge Vanston. Plus tard, Felicity a changé d'avis et rencontré le juge Vanston pour lui parler de l'affaire. Felicity a convaincu le juge Vanston de libérer Finn sous surveillance policière. Finn a conduit Becky à l'adresse où Adam Jones a grandi. Becky a encouragé Felicity à aller voir le juge. Felicity a rencontré le juge Vanston au tribunal pour lui parler des révélations de Finn. Tom a dit que Becky et que Cavalry filmaient ses ébats en secret. La veuve du croque-mort a déclaré que son mari voyait souvent des prostituées. L'aumônier voyait aussi des prostituées. Becky a décidé d'en parler à Simon Hillary. Becky a bien vu la silhouette qui la suivait. Becky a vu le même survêtement chez Simon, donc les mêmes jeans, la même veste. Ouais. Becky a empêché Finn de s'échapper. Finn est retourné dans le couloir de la mort. Donc ça, je crois qu'il aurait peut-être pu s'échapper si jamais ouais, on avait si raté. Ouais, si ça, on l'aurait pris un pour un. Becky a dit à Finn que Cavalry avait été assassiné et son cadavre piégé. D'ailleurs, il a eu une drôle de réaction, Finn, lorsqu'il a appris tout ça. Ouais. Becky a découvert que Simon Hillary l'avait espionné. En fouillant dans son passé, elle a découvert qu'il avait usurpé son identité. Mm-hmm. Alors, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va savoir dans ce après la pause! Épisode. Merci beaucoup, ce fut la fin de ce... Et maintenant... L'acte 3 d'Hidden Agenda. D'Hidden Agenda. D'Hidden Agenda. C'était Diden. Étrange comme accent. C'est d'Hidden Agenda. Qui, selon vous, est le plus perspicace par... Donc, qui celui qui a le meilleur feeling, le meilleur sens? Le meilleur feeling, le meilleur sens, le meilleur soul. Ah, pourquoi t'as dit toi? Je sais pas. Je peux dire toi. Hein? Je peux plus là. J'arrête donc de mettre les deux cartes comme quoi. Parce que j'ai dit moi, quoi. On s'en fout. Ouais! Barrigril, barre le temple. 20h45, il ne reste plus que 13 heures avant l'exécution de Finn. C'est malchanceux, faut faire attention. Je suis retournée sur place pour voir si la scientifique n'avait rien raté. Mais j'ai rien trouvé. Attendez, vous avez l'autorisation? Bien sûr. J'ai fait des recherches sur Simon Hillary. Comment ça? Je me suis contentée de jeter un œil à sa fiche d'employé. Vous savez quoi? Et puis j'ai trouvé son album de promo en ligne. Becky, vous êtes sûre que c'était la meilleure chose à faire? Ça valait le coup. Non? Non? Ouais. Il y avait peut-être plus intelligent à faire. Mais bon, ça valait le coup. Vous avez quoi? J'ai trouvé Simon Hillary. Et? C'est Simon Hillary. Attendez, vous voulez dire que notre Simon n'est en fait pas le vrai? Et s'il avait pris l'identité de ce gars? Mais comment? Les dates correspondent. Ils auraient à peu près le même âge et... Regarde, il y a une ressemblance. Adam meurt soi-disant dans l'incendie et peu de temps après, Simon Hillary commence sa formation. Il m'observe depuis le briefing. Simon? Ou... Adam, du coup? Ouais. Il savait que je ressortirais du dossier et qu'en cherchant bien, il me mènerait directement à lui. Fais chier. Je suis pas certaine que ça soit suffisant pour un mandat. Ben, même pas pour un mandat d'usurpation. Il a pris l'identité de quelqu'un, ouais. Allô? Hein? Ok? Désolé, c'est l'heure qui est fermée. Mais moi, j'ai fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Toi, ouais, ben attends, il faut qu'il te connecte. C'est bon. Mais non, mais je veux dire, je peux pas rester calme là. Je veux dire, il a pris l'identité de quelqu'un. De quoi que c'est pas assez pour un mandat? Non, j'accepte pas. Non, clairement, j'accepte pas. Je vais quand même expliquer pourquoi. Mon point de vue, il y a un mandat qui peut aller chercher. Pourquoi? Parce que je veux dire, il a quand même volé l'identité de quelqu'un. Donc, il peut se faire arrêter. C'est un crime. Si, il a.
Il a menti sur son CV. Voilà quoi. Il a volé l'identité de quelqu'un qui... Ok, c'est un imposteur. Voilà. On peut le faire virer de la police, mais ça prouve toujours pas que c'est un tueur. Juste virer la police ? Mais... Au Canada, tu peux aller en prison pour ça ! Écoute. Merci. Quand Calvary enquêtait sur le piégeur il y a 5 ans, il avait un très gros point noir. Les prostituées. La première cible, le croque-mort, rencontre une prostituée le soir de sa mort. Le père Rominski a un habitué des prostituées. Si on retrouvait la prostituée qui était avec Calvary, ça nous donnerait un point de départ. Si c'est Simon, il utilise peut-être une prostituée pour attirer ses victimes dans un lieu qu'il a prédéfini. Ce qui est assez. Que je sais plus trop quoi penser. J'ai l'impression que tout le monde veut ma peau. Avec moi, inspecteur, vous ne craignez rien. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, on dirait que je fais confiance de moins en moins. Personne n'est à l'abri ici. Simon savait que Jonathan Finn avait commencé à parler. Alors il a tué Calvary parce qu'il savait pertinemment que je serais tout de suite soupçonnée. Ce qui lui permettait de faire diversion. C'est peut-être pour ça que Finn l'a bouclé lorsque Calvary est mort. Il a compris qu'Adam allait enfin tenir sa promesse et le faire sortir de prison. Quoi ? Felicity, quoi ? Un mandat pour perquisitionner la maison de Simon, c'est pas envisageable. Mais il y a un autre moyen. Comme ? Il vous connaît. Vous pourriez l'appeler et lui proposer un verre, et pendant qu'il est là et que vous avez l'œil sur lui... Sérieusement ? Vous voulez vous introduire chez lui ? Eh bien... T'es encore plus coupable Felicity, qu'aller voir la fiche d'employé, ouais, quoi. C'est fixé. Ah non, oh ouais, let's go. Et merde, Eh merde, on se l'a fait. Pour ne pas tomber dans un mauvais jeu de mots. Ok, génial. Au temple. Dans 10 minutes ? Parfait, j'y serai. L'appât est en place. Bonne pêche. Pow ! Oh non! J'aime pas ça! On est normal! On va mourir! Bah, elle a peut-être un chargeur dans son. What? De rien. C'est le serveur, le jeu. Ouais, c'est la serveuse qui était là. Alors, what the fuck, Ash? Tu te rends compte qu'il faut que tu fasses un rapport là parce que t'as sorti ton arme et t'as tiré? Qui, selon vous, est le plus lâche de tous? Eh hey boy! Le plus lâche? Ouais! Hey! Ben moi je l'ai pris le plus paresseux entre guillemets là parce que. Non, non, moi le plus lâche. Non, non, non. Espèce de lâche. Ah, vous voyez? Un gros lâche. Minuit 33. Et il ne reste maintenant que 8 heures avant l'exécution de Finn. Mais là, l'affaire, c'est que lui, probablement qu'il sait parce que la serveuse était là. La serveuse, est peut-être une complice, je sais pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas, là, là, là. On le fait que des hypothèses. Hypothétique. Arrête le lâche. Hypothétiquement. Arrête le lâche. Hypothétiquement. Présumé lâche, je rappelle. Oh, tch, tch, tch. Seule la personne la plus lâche. Ouais! Wouh! Bon, allez, on se concentre. Aïe, mon lâche. Fuis, mon lâche! Vas-y, fuis! Non, je ne tolérerai pas cette réputation! Il n'y a pas de pardon. What? Mais la voix semblait un peu... Enregistrée. Ouais? Il n'y a pas... C'est enregistré. C'est justement pour t'inviter... Il n'y a que l'argent. Tu vas mourir! J'ai pas été là! Ah non, c'est la télé. C'est la télé! Tu oublies qu'il n'y a qu'une chose meilleure encore que l'argent.
Bah là, il ferme pas ses télés quand il s'en va. On ne parlera pas des petits bugs affichage qu'il y a eu. Personne ne les a vus. Non, non. Ici agent 609. J'ai besoin d'infos sur l'immatriculation 201-8116. L'immatriculation 201-8116 est vierge et correspond à un véhicule appartenant à Simon Hilary. Oh, espèce d'enfoiré. J'ai besoin de renfort. Urgent! Je suis à la poursuite du piégeur. Je répète, besoin de renforts immédiats. Et là, elle demande enfin les renforts. C'était le temps. C'était le temps. Personne m'a vu en décalé sur la droite. Je vais fermer la porte. Reviens ici, toi. Oh, la lumière, elle va aller vers là. Ici, toi. Allez. Voilà. Bon chien. Oui, vous le savez, j'ai un chien. Hein, il faut s'en occuper, même quand on tourne. D'accord. Mauvaise idée. Hey, la caméra! Merde! Merde, il y a du tonnerre! Merde! Puis elle s'en va encore plus profond. Non, bah c'est ça quoi. Moi j'aurais fermé la porte derrière moi en fait. Par souci de sécurité là, si jamais le gars arrive ou quoi que ce soit. Et là on est bien chez Simon Hilary pour ceux qui demandent. Hein. Trouvez les indices. Es-tu prêt mon Frankie? Ouais. Allons-y. Jeune appareil photo. Il y a trois indices à trouver. La trappe à souris. Elle est là. Où ça? Ok, non, tu l'avais en haut. Tu l'as dessus? Oui. D'accord. Si tu parles pas, moi je sais pas, je vais attendre de regarder là. Mais bon, tu l'as pas, non? Donc des focos de Becky, oui. Des photos de Becky. Des tenues suspectes. Un piège à rat. Tout ça est bien suspect. Parce que ce serait lui, Adam. Et Eve? Elle va avoir un ordinateur pour tracer les déplacements de Becky. Ouais. Justement. Qu'est-ce que c'est? En fait, je crois que c'est toutes les voitures. Bien sûr, au temple. Ouais. Il enregistre les conversations du téléphone de Becky. Oh, c'est grand. Un auto qui vient d'arriver. Ouais, je confirme, c'est un auto. C'est caché, mec. Tu peux pas. T'as pas le temps de t'enfuir là. Ok? Quoi, j'ai fait se cacher? C'était toi? J'ai fait ça aussi, mais ça l'a pas fait. J'étais sûr que c'était toi. On a pas le temps de s'enfuir, là. Littéralement pas. Et merde. Mais là, il le sait. C'est clair, net et précis. Ouais. Il le sait, quoi. Tabarouette! T'as drifté ça? Ah oui, toi, on est dans Need for Speed. Nous on le sait. Écoute, nous on le sait. Tom, écoute, c'est Hilary. Quoi? Simon Hilary est le piégeur. Le fichiste? Ouais. Nom de Dieu. Je me rends à son domicile. Ok, mec. Je te retrouve là-bas. Sois prudent. Bah, c'est bien, pour une fois qu'elle en parle à tout le monde et qu'elle demande des renforts. Felicity est là-bas avec lui. Fallait pas que tu dises ça, t'as recrassé! Ah oui, c'est vrai, putain, elle l'écoute.
Il va le savoir. Il sera pas nécessairement là. Non, mais... Mais oui, il va le savoir, quoi. S'il écoute la conversation... Adam Jones et Simon et Larry sont la même personne. Bon, bah, c'est confirmé. Simon et Larry et Adam Jones, c'est lui le pireur. Oh, tabarouette, t'as bien fait, je regardais... Ah, il faut regarder, Frankie, il faut regarder! Pas le temps de lire, là! T'es en pleine scène d'action! Excuse-moi, excuse-moi. D'accord, elle marche tout le bonnement, là, sa voiture. Tiens, j'ai réussi, par exemple, parce que je pense qu'on s'est fait tuer, quoi. Décolle pas ta voiture, reste caché. Mais elle va le savoir parce qu'il va écouter, quoi. Marnet! Mon Dieu, Becky. On a tapé dans le mille. Il faut que vous veniez ici tout de suite. Simon est le piégeur. Ça fait plus aucun doute. Je sais. Il m'a attaqué à la sortie du bar. Est-ce que ça va? Oui. Je me dirige vers vous. Ouais, parce qu'il marquait aussi que la prostituée était finalement Simon déguisé. Ah, d'accord. Il était marqué ça. Parfait. S'il expliquerait pourquoi on aurait cru que c'était une fille. Donc il essaie d'être, il se faisait passer pour une prostituée pour approcher ses victimes. C'est ça. Avant de les tuer. C'est logique quand on y pense. C'est logique. Maintenant il est rendu la prostituée alias Simon Hillary. La prostituée doit être Simon Hillary déguisé. Attendez renfort. Becky, j'y vais. Je vais l'arrêter. Non, je viens avec vous. C'est trop dangereux. Mais je peux... Non, vous, vous restez ici. Pourquoi il va encore seul, puis... Elle comprend rien. Il a écouté, et il sait maintenant qu'ils savent que c'est lui. Police, pas un geste. J'ai dit, stop. Vous m'avez... J'en ai marre de ces conneries. T'aurais dû le tirer avec moi! Pourquoi t'as pas tiré, Frankie? Frankie? Je sais pas. Réponds! Pensais-tu vraiment qu'un psychopathe allait nous laisser faire? Le feu est tellement live. Alors, Frankie, on est mort? Oui. Attends, on va lire. Becky a révélé Félicité avec son différend avec Calvary. Plus tard, Félicité l'a retrouvée au bar pour parler de l'affaire. Becky a attiré Simon dans un bar pour que Félicité puisse s'introduire chez lui. Félicité a trouvé la preuve que Simon était le piégeur. Félicité s'est cachée dans le sol de Simon et s'est enfuie sans être vue. Non, pas continuer, je veux le tuer. Allez, mon cher Frankie. L'inspecteur Becky Marnay a mené l'enquête sur Hillary, dans le cadre de l'assassinat de l'inspecteur Jack Calvary. Nous avons la confirmation que l'inspecteur Becky Marnay a été abattu hier soir. Frankie, c'est ta faute, ça. Dans la demeure de Simon Hillary, le médecin légiste travaillant avec les forces de police locales.
D'après des dossiers que nous tenons d'une source anonyme au sein des forces de police, l'inspecteur Marnet serait impliqué dans les terribles meurtres du piégeur de 2012, jusqu'alors attribué à Jonathan Finn. D'après la police, ces rapports ne seraient rien de plus qu'une tentative de nuire. Une enquête est actuellement... Quoi ? Le sergent Riggs vient tout juste de faire une courte déclaration à la presse. Ils vont vraiment le croire ? Nous pouvons désormais confirmer que l'inspecteur Becky Marnet a été tué. Aucun commentaire pour l'instant. Merci. Simon, non, t'es juste là, dans nos locaux, depuis le début. Comment il a fait? Comment on n'a pu rien voir? Y a pas beaucoup de bons flics ici, encore moins d'inspecteurs. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Simon Hillary? Mademoiselle Graves, voulez-vous bien m'expliquer ce que vous faisiez chez Simon Hillary? La police cherchait pas la vérité. Moi, si. Il fallait bien que quelqu'un agisse. Plus grande perspicacité hypnotique, Marc qui a trouvé 8 indices au total. Les réactions les plus rapides, Frankie qui a fait 7 événements rapides. L'as de la répercussion, Frankie a attribué 9 questions de confiance. Il lui reste en fait 9 questions de confiance. Non, je sais pas trop en fait c'était quoi ça. Non. J'ai 13 prises de contrôle, toi t'en as 11. Alors Becky est morte, et c'est après ce que j'entends, c'est que Simon s'est sauvé. Ouais. Il a réussi à se sauver, il a réussi à s'enfuir quoi. Ce qui veut donc dire que tous les choix qu'on a fait, on avait presque une partie parfaite. Frankie n'a pas levé son doigt pour tirer. Moi j'aurais tiré là pour lui faire exploser la tête. Mais bon, c'est ça le but du jeu aussi. C'est ça le but de ce jeu. C'est de mêler les opinions des autres. Vous pouvez jouer comme je vous rappelle, je pense jusqu'à 6. Si je ne me trompe pas. Prise de contrôle puis tirer. Je peux pas, je pense, prendre prise de contrôle d'un tir. Ça va trop rapide. Je pense que sur les trucs de vitesse, on peut pas. Dans tous les cas. C'est pas grave, c'est le jeu. Le jeu, on a vu une fin. Il y a le mode de... Excuse, désolé. Ouais, Funky, si tu fais ça, on va rester longtemps là. Il faut pas que tu te déconnectes non plus. Non. Alors oui, on va voir ce qui va se passer. On va vraiment voir ce qui va se passer. Becky a fait une descente chez Simon. Et ben, dans les répercussions, vous voyez, il y en a plein qu'on n'a pas fait là. Il y en a plein, je sais pas si on les voit comme il faut. Mais il y en a plein qu'on n'a pas fait, que c'est des X. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup d'arbres qu'on n'a pas encore vus. Bien entendu, si vous souhaitez avoir, pourquoi pas, une autre vidéo, ben d'autres vidéos en fait, qui seraient un petit peu une saison 2 d'Hidden Agenda, mais cette fois-ci en mode challenge, voir un petit peu à quoi ressemble le mode challenge, ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir, je regarderai avec Frankie quand on pourra faire ça, ouais. Et on vous le fera sans aucun doute. Il y a des personnages qu'on n'a pas rencontrés non plus. Non. Il y a beaucoup plus de place dans les biographies. Donc, à voir. Voilà. Donc, de quoi en voir. Le but, c'est... Il y a un petit peu un système de rejouabilité. Parce que le but, c'est d'aller chercher la meilleure situation possible. Vous pouvez jouer avec d'autres. Frankie, si ça t'intéresse, pourquoi pas. On essaiera de le faire avec tu sais qui. Ça pourrait être sympa. On verra, tu peux le faire avec plein d'amis, je veux dire, oh non, tout ce qu'il faut, c'est un cellulaire. Tout ce qu'il faut, c'est un téléphone cellulaire et une personne qui a le jeu avec la PS4, c'est tout. Ça. Ensuite, après... Tu n'as pas besoin de la manette, là. Non, non, exactement, la manette, c'est pour le début, pour cliquer, ouais, pour ouvrir le jeu, et c'est après tout se fait à partir du cellulaire. Et c'est ce qui est le fun, parce que tu peux t'assire 4-5 personnes sur un divan, même si tu connais déjà l'histoire. Ton but, c'est pas non plus de révéler l'histoire aux autres, tu gardes quand même un secret. Et ben, de voir leur réaction, de voir ce qu'ils vont voter. Il utilise pas vraiment beaucoup de batterie. Moi, non, j'avais non, quand 5, même, j'avais quand 50% même, puis je suis rendu à 22%. Ouais, en 3 heures et demie environ. Vous prenez 20-30% de batterie. Il faut bien entendu que l'application reste ouverte le plus longtemps possible, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais en même temps, c'est pas très surprenant. Tiens, on va se monter un petit peu.
qu'on est joli. Mais oui, donc j'espère que ça vous aura plu, ces trois épisodes finalement d'Hidden Agenda. Vous allez me dire, ouais, c'est pas un let's play que tu fais habituellement, c'est pas le genre de let's play. Je vous l'ai dit, la chaîne change. Maintenant, vous allez avoir soit des rediffusions, soit des vidéos un petit peu comme ça, qui seront un petit peu plus montées, qui seront des événements spéciaux, mais des gros jeux là, comme qu'on faisait avant en let's play, ben, ce sera uniquement en live et il y aura des rediffusions sur la chaîne. Sinon, sur la chaîne, il y a bien entendu le nouveau concept, l'attendez-vous, avec l'épisode 2 qui devrait arriver bientôt, mais également d'autres concepts qui vont être lancés sur la chaîne, parce que mon but c'est de prendre le moins de temps possible tout en continuant de faire des vidéos, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime partager mon avis, j'aime que vous voyez mes réactions, ainsi de suite. Donc, en principe, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous aurez vu du... si je suis capable de faire le montage, en fait, parce qu'il y a un gros bug, un gros problème sur cette rediffusion, il faut que je regarde. Du côté de Monster Hunter World, la bêta, on a fait une vidéo, on a fait un live. Même chose pour Quake Champions et The Binding of Isaac Rebirth. Donc, vous voyez trois jeux complètement différents. Mais c'est mon but de vous profiter plus de choses. Ici c'est encore une expérience différente, on a testé le Link. Nous c'est sûr de notre côté qu'on va y rejouer, sans doute avec d'autres personnes pour être plus, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le but c'est d'avoir la majorité. Là on était deux, c'est sûr que non, si l'un ou l'autre votait. Mais je veux dire la majorité, s'il y a 5 personnes sur 6 qui votent pour un choix. Parce que nous on avait les points de contrôle. On a gagné souvent. À chaque fois que tu faisais une vitesse, Marc en a 11, moi j'en ai 13. Ouais, mais au final, on n'en aurait pas tant que ça. On n'en a pas tant utilisé parce que aussitôt qu'il choisissait quelque chose, puis moi je choisissais l'autre, mais ok, ouais, c'est bon, tu sais, je vais venir avec toi. Ouais, quand on est 5 ou 6, là c'est vraiment, moi je suis pas ça, moi je suis pas. Ben, tiens, moi je prends mon point de contrôle, puis voilà. Ah, exactement, je me fous de votre opinion, je prends le point de contrôle, c'est moi qui décide ce qui arrive, et ça peut avoir des répercussions, vous l'avez vu, Frank a décidé de pas tirer, Becky est morte, et on a appris que Simon s'en est sorti, c'est une des fins. Il y en a plusieurs des fins. À voir. Ah, c'est lui. Waouh! Vous avez l'air d'avoir un sacré problème de rat. Donc il va recommencer à tuer. C'est ça que ça veut dire, c'est pas plus simple. Pourquoi pas un jour, il donne Agenda 2. Qui sait, c'est le tout début de la... c'est le tout début de toute façon de la... de l'aventure, en fait, pour nos chers amis. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir. PlayStation tente avec Link. Il n'y a pas juste ce jeu-là. Moi, de mon côté, c'est le seul jeu que je voulais tester pour Geeks.com. Donc c'est pour ça que j'ai un lien. Vous aurez ma critique d'ailleurs très bientôt sur Geeks.com. Mais ça me donne un bon aperçu de ce que Link peut être capable. Et je crois vraiment dans ce genre de jeu. Ouais, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Donc pourquoi pas pousser plus loin. Et il ne faut pas que ça soit trop long. Comme là, c'était une bonne longueur. Peut-être 2-3 heures. Ouais. Qui est une bonne longueur avec deux pauses. Donc deux fins d'acte qui permettent de faire une pause. Et ben, ça permet justement de passer une soirée sans non plus être trop longue. Donc, sans non plus prendre 4, 5, 6 heures. En plus, tu peux faire des pauses, c'est ça. Tu as des entrées, tu peux faire des pauses. Oui, tu peux faire des pauses quand tu veux. S'il n'y a aucun problème. C'est ça, le problème, c'est surtout au niveau justement de la longueur. Qu'il ne faut pas qu'il pousse l'expérience trop long. Parce que le but, c'est de passer une soirée. 2, 3 heures, c'est parfait. Je veux dire, tu commences à 18, 19 heures et tu finis à 21 heures, 22 heures. Ça va, c'est dans l'acceptable des choses de passer une soirée. Bien entendu, il pourrait proposer des trucs qui vont plus loin, qui prennent plus de temps, mais là, il ne s'adressera pas au bon public, il s'adresserait plutôt à des gamers qui sont habitués à jouer des longues heures de jeu à une expérience vidéoludique. Mais là, le but étant de ressembler, tout en ayant de l'interactivité, du débat, de la discussion avec les autres personnes, c'est aussi de proposer quelque chose d'unique, qui n'est pas trop long, qui est ressemblable à un film, autant dans sa façon d'être que dans sa longueur. Hein, un film, ça dure pas 8 heures. Non, c'est ça. Vous n'avez pas un film de 8 heures. Hein. S'il y en a un, je vais pas l'écouter. C'est maximum 3 heures, 3 heures et demi. Il y a eu des exceptions. Il y a eu des exceptions comme King Kong de 4 heures et les Seigneurs des Anneaux qui sont d'une interminabilité incroyable.
Même chose pour les Hobbits, d'ailleurs, je pense que c'est du 3h30, qui est assez long. C'est un gros maximum. Et oui, parce que juste là, on remarque que plusieurs personnes n'écoutent pas ce genre de film à cause de la longueur, parce qu'ils ne sont pas capables, c'est une charge trop grande. Ouais. Et je les comprends, moi, je veux dire, quand on écoute une émission de série, c'est 45 minutes, parce qu'il faut enlever les pauses, là, 45 minutes, ou 22 minutes pour une émission de 30 minutes. Un film, la plupart du temps qu'on va voir au cinéma, que ce soit les Marvel ou quoi que ce soit, c'est du 2h, 2h15. Ouais. Voilà, donc il faut qu'il reste dans cette idée-là. C'est le 4e jeu Link, si je ne me trompe pas. Donc c'est disponible pour une $30. Il est disponible en boîte, ça c'est cool également. Et autant qu'en téléchargé, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas nécessairement une bonne connexion internet pour le télécharger, ça peut être quand même intéressant. À noter qu'il est compatible autant iOS et Android. Nous on était sur deux Samsung Galaxy, donc on était sur Android. Mais qu'il est également disponible sur iPad, iPhone, etc. Ouais. Même chose pour les Galaxy Tab. Ce que je trouve vraiment cool, ça peut être cool de jouer sur une tablette, même si c'est pas adapté, parce que l'écran sera beaucoup plus grand, il faudra bouger beaucoup plus le doigt pour être capable d'atteindre les ondes qu'on veut atteindre. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne expérience. Je sais pas comment toi, t'as trouvé j'ai l'expérience. Moi, j'aurais dû tirer le gars à la fin. Et il aurait dû tirer le gars. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Non. C'est sa faute. Écrivez-le dans les commentaires. Encore... Abba Frankie. Encore là, on sait jamais, parce que l'histoire aurait peut-être pas fini là. Il y a peut-être eu avoir une autre acte ou un autre histoire. Peut-être si on l'aurait tiré, peut-être qu'il y aurait eu autre chose. On ne sait pas. On ne le sait pas. Nous, ça l'a fini en 3 actes, mais est-ce que ça l'aurait fini plus... avec plus d'actes, plus on de temps? On ne sait pas. C'est justement le but un petit peu de cette rejouabilité. Bien sûr, il n'y aura pas autant de jouabilité qu'un... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qu'un Detroit Become Human. Detroit Become Human qui va sortir, qui lui a vraiment une panoplie de choix parce que c'est un jeu complet d'une quinzaine d'heures avec des années de développement. Supermassive Game a travaillé, il l'a dit, quelques mois. Voilà, il a travaillé quelques mois sur ce projet. C'était une commande de PlayStation pour la sélection Playlink. À voir si ça va fonctionner. Je regarde un petit peu les trophées. Ils ont été masqués, ce qui est bien. Ils ont été masqués justement pour pas qu'on sache quel choix on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu arriver, c'est quoi les autres fins. Bien entendu, terminer le jeu sans jamais utiliser de violence, sans jamais utiliser d'armes, c'est un succès. Mais voilà, il y a des trucs, terminer le mode rivalité, prendre le contrôle d'une prise de contrôle, je pourrais même vous le montrer là, ce que je regarde. Donc, réaliser une intention cachée, déjouer une intention cachée, réaliser une intention finale, etc. Mais le jeu compétition, c'est vrai que c'est plus le fun à plusieurs, parce que ce que j'ai entendu, c'est ça, t'as des cartes intentions, puis toi, c'est par exemple comme défi, c'est il faut que tu convainques les autres de pas faire ci pendant la... de pas faire ça pendant l'interrogatoire. Ok. Ton défi, c'est ça. Si ça arrive, tu gagnes des points. Celui avec le plus de points à la fin l'emporte, mais faut pas que tu te fasses voir, parce que les autres peuvent t'accuser. À la fin, ils peuvent dire, ah non, c'est impossible, t'as un défi, t'as une carte, c'est pas logique tes arguments, ça fonctionne pas, pourquoi tu voudrais qu'on fasse ça. Donc à deux, ça peut être moyen, parce que je veux dire, tu doutes un petit peu là. Donc vous voyez un petit peu, il y a des trophées masqués comme vous le voyez. Et bien entendu, ce qui est cool, c'est que trophée platine, donc quelqu'un qui est vraiment accro au trophée peut faire tous les trophées, et tous les embranchements, tous les différents scénarios, et obtenir tout simplement le trophée platine. À noter que moi dans ma vie, je n'ai aucun trophée platine. Voilà, ceux qui me demandaient, je suis pas un grand joueur de PlayStation, vous le savez, j'ai quand même 6 or, 16 argent et 98 de bronze, bientôt les 100 de bronze. Mais j'ai beaucoup plus de succès sur Xbox One étant un utilisateur de la Xbox depuis très longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette série, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme on vous le dit, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une autre... une autre petite série, une autre chaîne à part, dans le sens que en mode... contre, si on peut dire. Ouais, en mode rival. Pourquoi pas en live cette fois-ci, vu qu'on connaîtra un petit peu l'histoire, ou peut-être... C'est peut-être complètement différent, on le sait pas. C'est la même histoire. Probablement, non, c'est ça. Ça, je le sais. C'est la même histoire, mais comme je dis, il y a des cartes supplémentaires et tout, fait que peut-être être 3, 4. Ouais, non, c'est ça. Ça pourrait être plus intéressant. Je connais des personnes qui pourraient participer. Veulent-ils apparaître sur la chaîne? Ça, c'est une autre question. Mais... d'ici là, vous avez le temps d'écrire dans les commentaires. J'espère que mon retour sur YouTube vous aura plu. Comme si c'était terminé. Mon retour est déjà terminé. C'était une semaine de vidéo. Après, c'est terminé. Donc oui, vous n'aurez plus une vidéo par jour. Calmez-vous. On se calme. Vous avez peut-être une vidéo aux 3 jours, une vidéo aux 2 jours, une vidéo peut-être aux 4 jours. Vraiment parce que je veux pas retomber dans un rythme que je passe ma fin de semaine à tourner. Merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci, Frankie. Plaisir. À la prochaine, les amis. Allez, ciao, ciao.